Bien salut tout dans le monde, c'est Chibi, on se retrouve aujourd'hui sur Call of Duty Black Ops 2 pour une partie troll que j'avais hâte de faire. Comme je vous le disais, on se retrouve sur Call of Duty Black Ops 2 pour faire une petite partie troll, donc je vais en faire deux ou trois, ou deux je pense. Et donc voici ma classe troll, donc en principal j'ai un couteau, secondaire j'ai un B23R équipé d'un viseur réflexe, là en atout j'ai le premier atout c'est invisible, ensuite sang froid et ingénieur, je pense que je vais mettre ingénieur ou silence de mort, donc je vais garder ingénieur. Et ensuite en... j'ai deux paras et deux charges électriques, tout simplement parce que là j'ai technicien, donc ce qui me permet d'obtenir donc à la place des grenades de mort, d'obtenir des grenades tactiques. Allez, c'est parti, on va se mettre sur multi, MME simple, etc. On va se faire une petite partie en simple. Donc là je suis level 38, prestige 0, donc ça vous pouvez le voir, c'est normal. Bon, allez, on se retrouve tout de suite dans la partie. Wouhou, c'est prêt. C'était quoi ce truc de merde? Bon, bon, alors comme vous le savez peut-être, oulala. Ok, je me suis fait déjà spawn kill, c'est pas grave. Bon, comme vous savez peut-être, le but d'une partie troll, alors en fait c'est de se cacher, donc de s'allonger par exemple comme ça, et d'attendre que quelqu'un arrive en fait. Oui, donc le gameplay va être légèrement chiant, mais je vais tout faire pour qu'il ne le soit pas, les amis. Je vais tout faire pour qu'il ne soit pas. Tout d'abord, je vais juste modifier une touche. Ah, l'enculé. Commande, orienté, position accroupie. Voilà. Là, si j'appuie, ok, c'est bon. Allez, c'est parti. On va tenter de faire une partie troll. Toi dégage. Ah, le fils de chien. Pardon, c'est vilain, je sais. Attends, je vais essayer de l'avoir de là, là. Voilà. Yo. Yo. Ah non, c'est moi ça. Je suis à la plage, je me sens bien. Narmol, toi ta gueule. Merde, je me suis fait ta gueule moi-même quoi. Oh, je vais essayer de le troll. Oh, je vais essayer de le troll. Bon, ok, j'ai pas réussi à le troll correctement, c'est pas grave. J'ai plus aucune munition, putain, j'aurais dû prendre pire. Je sais pas si j'aurais eu des nouvelles de munitions comme ça. Connard, putain, connard. Bon, allez, c'est pas grave, on va réessayer ça. Monsieur. Monsieur. Ah, bah tiens, lui aussi, il est à la plage. Non. Ah. Non. C'est pas du jeu, ça, putain. Je sais même pas où il est le micro, il est là, c'est bon. Il est où le micro? On va y aller tout doucement, hein. On va essayer de se cacher en fait. Hiyo. Oh, comme c'est kiffant comme crit. Hiyo. Oh non, mais c'est pas du jeu, moi je voulais le troll comme un gros bâtard en fait. Oh, oh, c'était beau ça. Monsieur. Vite. Ah, il est là. Il est là. Non. Je fais du 0. Ah non, je fais du 2-9 et je suis solo, d'accord. Hiyo. Voilà, ça c'est fait, tête de bitch. Nine, 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 nine. Eh, je t'ai vu toi aussi. Enflure. Enflure. Compte de toi. Oh, tu sais pas où je vais. Oh, tu sais pas où je vais. Oh, je t'ai niqué. Oh, je t'ai niqué aussi. Oh, oh. Eh. Non, mais non, mais c'était quoi ça, putain. Mais c'est pas grave, on va se refaire une partie. Allez, c'est parti dans la deuxième partie. Oula. Bon, on se retrouve dans la deuxième partie, quoi. Bref. Bon, nous revoilà pour la deuxième manche de cette partie troll. En attendant que je fasse un bon petit truc, je vais vous parler d'un truc qui s'est passé il y a pas longtemps chez moi. Enfin, dans ma ville et juste à côté de ma ville. Alors, en fait, chez moi, enfin, dans ma ville, pardon, c'était vendredi dernier. Donc là, nous sommes actuellement, nous sommes le 15. Donc ça fait vendredi dernier. malheureusement, en fait, il y a eu deux jeunes qui se sont, qui se sont tués en scooter. Donc ce sont des amis à ma copine. Donc, quand on pense à ça, que deux personnes peuvent se tuer en scooter. Bon, il faut l'avouer aussi, il pleuvait énormément. Énormément ce soir-là. Et eux, ils étaient en scooter et ils allaient donc ce qu'on appelle. Enfin, les villes, c'est de Miramas à Entre-Saint, sur la route tout simplement. Et en fait, le jeune a essayé donc de doubler un véhicule par la gauche, hein, voilà, pas par la droite. Et il essaie de doubler une voiture, sauf que Standou, il a doublé sur un pont. Et tout le monde le sait, quand on double quelqu'un ou quelque chose, enfin une voiture ou quoi, jamais sur un pont, jamais en montée, c'est ça qu'on apprend en premier dans le code, simplement parce que c'est ultra dangereux, ultra risqué. tout simplement parce que c'est ultra dangereux quoi, je sais pas comment est-ce que je peux vous l'expliquer autre que par le mot dangereux. Mais voilà, en tout cas ne doublez jamais
dans une montée ou dans un, sur un pont. Et ben voilà, depuis que du fait qu'ils les aient doublés sur une montée, enfin sur un pont, en fait ils les ont doublés. À cause de la pluie, il a dérapé sur une bande blanche. Et donc ben, ils se sont pris une voiture de face, malheureusement. Donc bon, c'est affreux dit comme ça, hein, voilà, j'y peux rien. C'est vraiment affreux. Mais et en plus, bon, ben, malheureusement, les deux sont décédés. Le premier 16 ans et l'autre 14, si mes souvenirs sont bons. Et puis voilà, donc il faut que vous reteniez quelque chose, c'est de ne jamais, jamais doubler déjà quand il pleut. Ensuite, quand vous êtes à deux sur un scooter ou quoi, mais aussi ne jamais doubler quand vous êtes dans une montée, sur un pont ou quoi que ce soit. Ne jamais, jamais faire ça. Ça peut être ultra dangereux et vous en voyez bien la preuve, hein, je vous le dis. Ce n'est pas du mytho, c'est entièrement vrai. Et puis là, bah, la preuve aussi, ce sont deux amis de ma copine, donc c'est malheureux, c'est vraiment malheureux. Et donc voilà, donc franchement, faites super attention lorsque vous êtes en scooter, en moto ou quoi que ce soit. Donc n'essayez pas de faire les fous, de faire vos preuves ou quoi, ou faire les beaux devant vos potes ou autre. Ça en a aucune utilité. Je vais vous parler maintenant donc de la deuxième chose qui s'est passée dans ma ville. Bah en fait c'était hier, donc là nous sommes le 15 comme je le disais, et c'était hier il me semble. D'un coup je rentre en cours, etc. Et puis qu'est-ce que j'entends? Apparemment il y a quelqu'un qui était tombé dans le lac, parce que chez moi il y a un lac. Et apparemment cette personne, bah, elle est tombée dans le lac et elle s'est noyée. Donc bon, c'était assez affreux quand même, plusieurs trucs qui se passent d'un coup, proximité de chez moi et tout, c'est waouh, c'est affreux quoi. Donc voilà, donc nous ce qu'on a fait c'est que on est allé voir au lac. Et puis ben, à ce moment là ce qu'on a découvert en fait c'est les flics, ils étaient à côté du lac, leur voiture sur un pont, et puis enfin sur le pont qui se trouve au lac. Et puis d'un coup ben on regarde, mais en fait ils étaient tranquilles quoi, les flics ils étaient en train de discuter, pépère, comme si de rien n'était, à côté, et juste à côté, je ne vous mens absolument pas, il y avait le cadavre de la personne qui était bah, dans un sachet plastique, dans un sachet, merde, comment ça s'appelle, dans un sachet de pour les cadavres quoi, je sais pas comment ça s'appelle, enfin voilà, oula, le mec s'est fait une doublette. Donc voilà, donc bon, je trouve ça vraiment dégoûtant, surtout que ça devait faire une bonne heure minimum qu'ils étaient là. Avec mes collègues, on est resté une heure et quelques à côté, parce qu'après on avait encore cours. Et donc on est resté une heure au lac à attendre, à voir ce qui se passait, etc. Et les flics qui sont restés là pendant une heure à parler avec d'autres personnes. Et le cadavre, bah, il était resté tout simplement sur le côté, dans le sachet plastique, par terre. Il, comme s'il avait jamais bougé, comme s'il était là depuis des heures et des heures et qu'il avait pas bougé. C'était vraiment dégoûtant d'avoir ça à côté de soi quoi. Je sais pas comment est-ce qu'ils pouvaient faire les flics pour supporter un truc pareil, surtout qu'ils ont pas bougé quoi, eux ils s'en foutaient quoi presque, hein. Eux il y avait un mort à côté, ils s'en foutent quoi. Enfin pas à ce point là mais voilà, vous voyez un peu ce que je veux dire. Et puis voilà, donc nous on est restés toute l'heure, etc. Et les flics, bah, ils ont quasiment rien fait. C'est juste genre une heure et demie après, parce que j'avais français pendant 2 heures après. Pendant une heure et demie après, d'un coup on entend les sirènes de pompiers, donc à mon avis qu'ils devaient se diriger forcément au lac pour aller voir ce qui s'était passé. Et puis aller chercher le cadavre. Mais sincèrement, voir un truc pareil qui se produit juste à côté de chez soi ou même dans sa ville ou quoi, c'est vraiment inquiétant. Et ça prouve à quel point ces temps-ci les gens ils vont vraiment pas bien quoi. C'est un peu dégueu de dire ça comme ça, mais voilà, c'est. J'espère que vous comprendrez ce que je dis. Pour ça là je vais pas faire énormément de cut dans cette partie là parce que c'est vraiment important. Et surtout faites bien attention à vous, prenez vos précautions, etc. Faut faire super gaffe, faut prendre vos précautions quoi, voilà. Donc ce que je vous dis c'est pas du fake hein, forcément, c'est du vrai. Faut me croire. C'est comme Saint-Nicolas, il faut le voir pour le croire. Ok, je vais pas vous mettre la photo non plus du cadavre parce que j'ai pris des photos pour le montrer par ou quoi parce qu'ils étaient pas au courant. Mais sincèrement, je vais éviter de vous mettre une photo comme ça parce que ça se fait vraiment pas. Mais en tout cas, voilà, ce qui me choque, c'est surtout que la police, ils ont rien fait pendant un bon moment quoi. Ils sont restés là à côté du cadavre avec leur voiture pendant une heure, voire plus. Parce que moi, je suis resté une heure, ils ont pas bougé, voire beaucoup plus sans rien faire quoi. Donc vous imaginez un petit peu ce qui s'est passé. Enfin, voilà. Comme je le disais, si jamais vous ne me croyez pas, vous pourrez toujours me le demander dans les commentaires et je ferai venir des amis à moi qui vous le prouveront.
ne serait-ce que Until te manger FX, qui était à mes côtés ce jour-là, et qui pourra lui-même vous le dire, qui a eu qui avait le flic avec le cadavre, etc., qui n'avait quasiment rien fait, quoi. Il bougeait pas pendant une heure, presque, il était en train de se fumer la clope, quoi, ou se faire chicha. Enfin, vous voyez un petit peu le désastre. Donc, il y a beaucoup de monde qui pourrait. Qui peuvent vous le confirmer autre que moi. Alors lui, je veux me le faire. Voilà. Enfin voilà, donc bon, je quitte ce petit sujet un peu délicat et très délicat même. Parce que c'est un sujet sur lequel il faut pas rester. Ah non! Shit, j'aurais dû m'avancer parce qu'il y avait sacré mort là. Attends, on aurait dit un ninja comme ça. Bah écoutez, c'est la petite dernière partie que je vous fais ensuite. Ensuite, je vous dirai bye bye. Bye bye. Vas-y, je t'attends mon gars, je t'attends, viens ici. Non, il est où la troupe? Oui. Doublette. C'est beau ça. Bon ok, je joue très mal au niveau du troll, mais c'est pas grave. Du moment que je peux troller un petit peu comme j'ai fait là, la doublette, putain, c'était beau quoi. Surtout que je l'ai joué au cut quoi, comme une grosse dub. Et toi, t'as pas intérêt de me piquer mes kills, parce que sinon, je pédé de merde. Je vais mourir. Donc, allez, c'est parti, on va essayer de se recaler pour faire un bon petit troll là. J'ai envie de troller du noob là, putain. Enfin, de faire le noob à troller plutôt. Oh, il y en a beaucoup là-bas. Il y en a beaucoup là-bas. Ah oui, ça a marché. Hop là. Hop là. Non, mais non, mais non, mais non, le coup de cut il a pas marché. Le coup de cut il a pas marché. Le coup de cut il a pas marché. C'était quoi ce truc? Mais pourquoi ils sont tout le temps là? Hé, hey, je vais taper. Je ne t'aurai pas. Hé, hey, non. En fait, je me troll moi-même, c'est ça le pire. Je veux troller quelqu'un, mais je me troll tout seul. C'est pas un peu énorme ça? Le troller trollé, voilà comment je vais appeler le nom de la vidéo. Non! Je t'ai vu! Non! Mais c'est de la prise en sandwich ça! Je me suis fait hardcomiser là! Hardcomiser remix de sodomie quoi! Tiens, y'en a un qui troll aussi! Hé, hey, je t'aurai! Pédé de merde! Yep! Oh quel beau gosse! Non! Oui! Non! Viens ici! Oui! Oh boum! Je me suis fait démontre! Comme un gros geek! Mais j'ai un gros geek! Oh! Oh! Mais non! Putain de paralysante! J'arrive! Voilà! Ok! J'ai fait un truc de merde, j'ai joué comme une grosse daube et encore je suis pas dernier! C'est un truc, ça c'est de la bombe ça! C'est de la bombe, je sais! Donc nous revoilà, j'espère les amis que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à mettre un petit j'aime, à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, ce qui me ferait un grand plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne, ça aussi ça me ferait un grand plaisir. Et donc nous, bah, on se retrouve à une prochaine, probablement pour le 6ème épisode de la série Fucking Rage Rage version mobile. Allez, en tout cas je vous dis à plus, prenez soin de vous, bye bye les amis.